Salut à toi, grand fan de RC, cette offre pour Spinner RC Speed, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler tout simplement de la suite de la précédente vidéo. Donc, après avoir démarré un moteur, va falloir le roder et le régler. Donc, on va commencer par le rodage. Je vais vous dire comment je faisais pour roder mes moteurs. Donc, après, chacun a sa technique. Et sinon, il y a une autre technique qui est surnommée entre guillemets la technique chinoise. Mais bon, je préfère utiliser quand même la mienne. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que nous allons faire pour roder le moteur? Donc, vous allez déjà ouvrir votre vis de richesse à 2,5 voire 3. 3 tours. Ensuite, vous allez mettre votre essence dans le réservoir. Vous allez démarrer votre moteur au ralenti. Vous allez le laisser tourner un plein comme ça, statique, au ralenti. Donc, ce que vous faites, vous mettez votre voiture sur, admettons, un support, une boîte à chaussures, ce que vous voulez, pour que, à la rigueur, les roues puissent tourner librement. Donc, en fait, votre moteur va avoir un ralenti un peu haut et vos roues pourront tourner calmement et le moteur pourra se roder en statique. Donc, quand vous allez faire ça, vous allez avoir de l'huile qui va sortir de l'échappement. Donc, le mieux, même si vous pouvez, c'est d'incliner le pot vers le bas afin que l'huile ne stagne pas dans le pot et qu'il sorte bien par l'échappement en fait. Donc, ça puisse couler librement. Donc, vous allez faire tourner votre moteur un plein comme ça. Une fois que vous avez fait le premier plein, vous le laissez un peu refroidir, malgré que logiquement il ne devrait pas être trop chaud. Ensuite, vous faites un deuxième plein en statique. Par contre, vous allez refermer votre vis de richesse de un quart de tour. Et ensuite, vous laissez refroidir votre moteur et on va attaquer le troisième plein, mais entre guillemets en dynamique. Vous allez laisser votre vis de richesse telle qu'elle est. Et vous allez rouler avec votre voiture. Donc, vous allez pouvoir accélérer, mais vraiment, vous faites des petites accélérations. C'est pas full gaz pendant 3 secondes, hein. C'est vraiment juste des petits coups mi-gaz comme ça, afin de rouler et de profiter un peu de votre voiture. Donc, une fois que vous avez terminé le plein là, vous allez faire un quatrième plein. Et là, vous allez régler votre moteur correctement. Donc, comment allons-nous faire pour régler le moteur correctement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, tout d'abord, votre vis de reprise. Donc, pas la vis de richesse, hein, la vis de reprise. Comme je vous l'ai indiqué dans la première vidéo, vous la mettez à fleur du moteur. Ensuite, votre vis de richesse, et bien là, tout simplement, vous allez démarrer votre moteur, vous allez accélérer déjà jusque mi-gaz et vous allez réduire un peu l'ouverture de votre vis de richesse. Une fois que vous voyez que le moteur commence à bien tourner, donc vous faites à mi-gaz déjà et après vous revenez au ralenti, vous accélérez un grand coup, donc là vraiment à fond et vous réduisez encore votre vis de richesse. Donc, à partir du moment où vous allez réduire votre vis de richesse, vous allez appauvrir votre moteur. Donc, le but, c'est vraiment d'y aller doucement. Donc, vous mettez plein gaz. Et dès que vous entendez que votre moteur commence à perdre un peu de puissance, vous allez rouvrir votre vis de richesse de 1/8 de tour. Et là, il est réglé. Donc, à partir de là, on va pouvoir s'attaquer à la vis de reprise. Donc la vis de reprise, à quoi elle sert? Tout simplement, c'est une vis qui vous permet également de régler votre moteur quand il passe en fait d'un stade ralenti à accélération, en gros. Donc ce qu'il faut faire, vous mettez votre voiture au ralenti. Vous la laissez 30 secondes au ralenti. Donc déjà, quand vous allez la mettre au ralenti, il faut bien écouter le moteur. Le moteur a un certain régime. S'il commence à ralentir ou accélérer tout seul au ralenti, c'est pas bon.
Donc, s'il commence à accélérer, ça veut dire que votre vis de reprise, elle est trop serrée. Donc, vous la desserrez. Si il commence à perdre du régime, elle est trop ouverte. Donc, vous la resserrez. Donc, jusque-là, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit d'écouter son moteur. Donc, vous accélérez, admettons à vide, vous allez à mi-gaz, vous revenez au ralenti, vous écoutez. S'il n'y a pas de changement de régime moteur, logiquement, votre vis est pas trop mal réglée, on va dire. Et une autre technique également pour voir si cette vis de reprise est bien réglée, vous laissez votre voiture au ralenti pendant 30 secondes et après vous accélérez un grand coup, donc vous la laissez partir en ligne droite et vous allez voir si votre moteur en fait s'étouffe ou s'engorge. Donc si vous voyez qu'il y a plein de fumée qui sort et que après bon bah la voiture elle part correctement avec toute sa puissance, bah votre vis est trop ouverte. Par contre, si vous commencez à partir et puis que votre moteur cale, bah c'est que la vis est trop fermée. Donc après, c'est à vous d'ajuster les deux vis. Donc logiquement, vous réglez votre vis de richesse, comme je vous l'ai dit, et après votre vis de reprise, et normalement, il n'y a pas de problème. Votre voiture, vous la mettez au ralenti, vous accélérez un bon coup, elle doit partir d'un coup sec. Elle ne doit pas, elle doit pas hésiter ou elle doit pas hésiter en fait. Et quand vous revenez au ralenti, le régime de votre moteur ne doit pas changer. Donc voilà, c'était mes conseils pour comment roder un moteur thermique et comment le régler. Si vous avez d'autres techniques, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite également à mettre un pouce bleu. Ça permet de faire connaître la chaîne. Ça me fait plaisir également. Si ça me fait plaisir, je vous fais des vidéos. Et comme ça, tout le monde est content en fait. Donc surtout, bah, abonne-toi également. Et en attendant, bah, amusez-vous bien, réglez bien vos moteurs. Et à la prochaine. Ciao!